Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Koffi Kouakou, a annoncé lors d'une visite sur les chantiers que le pont de Cocody, également connu sous le nom de 5e pont d'Abidjan, sera inauguré le jeudi 3 août 2023 par le président de la République Alassane Ouattara. Le ministre a assuré aux médias présents que tous les tests effectués confirment la qualité et la solidité de l'infrastructure. Techniquement, tout va bien. Toute la stabilité est assurée. Tous les tests ont été faits. L'ouvrage peut être livré à la circulation au début du mois prochain, précisément le jeudi 3 août. Bien que le projet ait connu quelques retards, ceux-ci ont été résolus par les techniciens avant sa mise en service. Le coût total de cette infrastructure s'élève environ 77 milliards de francs CFA. Le pont mesure 634 mètres de long et comprend également un viaduc de 260 mètres, deux échangeurs des voies d'accès et des adaptations des voies existantes, pour une longueur totale de 1600 mètres. Des mesures ont été prises pour garantir la sécurité de l'infrastructure, notamment en utilisant des gaines qui enregistrent un poids de 5 tonnes chacune. Contrairement aux autres dans le monde qui généralement ont un poids de 800 kg, a expliqué les experts.